Réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire. Et c'est ce que nous allons faire. Nous te remercions, Seigneur, nous te disons merci. Octroie-nous une double portion du Saint-Esprit des langues de feu pour annoncer avec force ces derniers messages de trois anges. Nous t'en prions ici au nom de Jésus, à lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Fini à bailler ça, hein, ça m'est ok. Merci. Réditez-moi l'histoire. Mais pour écouter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, réditez-moi l'histoire. Et c'est l'histoire, ça, nous à partager ensemble avant. Réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs. La trompette a sonné encore une fois. Écoutez. Jésus reviendra. La trompette a sonné. Écoutez. Jésus reviendra, il y a toujours des esclaves. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes considérés les praticiens et les plébéiens des citoyens romains. Des citoyens romains, l'un dans la haute société, les praticiens, et l'autre dans la basse société, les plébéiens, ont encore fait partie du peuple. La population fait partie du peuple populus. Nous allons considérer encore une autre couche de personnes parmi les citoyens romains, qu'on appelle le ou encore les préteurs. Ce sont des citoyens romains aussi. Même quand on considère les sénateurs, on prend des caucus, etc., etc. Mais les préteurs, ce sont des citoyens romains aussi. En latin, praetor, qui signifie chef, ou encore partre, qui signifie marcher devant. Des préteurs, des chefs, ou encore marcher devant. Est un magistrat de la Rome antique. Les préteurs est un magistrat de la Rome antique, ou encore praetor qui signifie chef, praetor qui signifie chef, ou encore des préirés qui signifie marcher devant. Et mais les préteurs, ce sont ou encore étaient des magistrats dans la Rome antique. Il est de même rang comme des sénateurs. Voilà. Il est de même rang comme des sénateurs. Les préteurs ont encore fait partie des sénatoriales. Des préteurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'assoient sur des chaises curules. C-U-R-U-L-E. Des préteurs s'assoient sur des chaises curules. Ou encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les préteurs étaient des magistrats au même rang comme des sénateurs. Les préteurs étaient des chefs dans la société et ils portaient de toges prétextes. Gros toges, ça fait ouais, avocat ou toujours gros toges noirs sur.
c'est même déviation ça ou pas jouer dans l'église ou pas jouer de tout côté là gen gros toge là sous bon quand il y a vinn jeune gen pasteur et surtout dans dernier église là qui gen dernier message à côté a entrer des détails là-dedans ou pas jouer des pasteurs qui a pas habillé avec des gros toge sur etc soit qui gen plusieurs titres ou qui gen plusieurs couleurs ou encore qui gen plusieurs symbolismes soit dans domaine religieux soit dans domaine politique et dans société. Bref, bon ça c'est copié parce que ça n'est pas entré dans culture sous ces avocat ou met toujours sous gradué ou met toujours sous à prêcher ça dépend des cultures ou mettez vers sous. Mais si on haïtien a mettez toujours li a imité etc pour certains yo capable di ou a imité ou a font bagay ou pas connaît ou pas regarder dans histoire ça signifie. À remarquer entre parenthèses, Vladimir Poutine saute fait erreurs historiques. Dans CCE durant le mois de décembre, Vladimir Poutine lui offrit 8 bagues comme lui-même il fait 9 à 8 présidents Azerbaïdjan, on prend Nikol Pashin était là etc. Loukachenko, Alexander Loukachenko, Belarus, l'Azerbaïdjan, Arménie, etc. Monsieur Ofrinegyo, 8 bagues. C'est Loukachenko qui foure bag par là dans douet. Loukachenko qui foure bag par là dans douet. Tout l'autre negyo foure bag là dans douet. Nan poche. Pour qui ça? Parce que musulman garçon pa met bag. Consultant de dit ça, li ta dû analyser ça. Bref. Loi mette toj la sou wa. Lors si pasteur soit adventiste, bon m'ka kompran nou protestant fè li tout. Bon, yo di même bagay la, bon m'ba konnen. Ti poisson kap sou gros courant parce que c'est même bagay la, la mère c'est l'église catholique. Mais nous si nous différents, nous deux différents en parole, en action, en manger et en tout. Si on met toj, nous pa ka met toj du tout. Bon, surtout les haïtiens mette lou vin 4 fois bilette. OK. Les prêtres, c'est yon magistrat chef marcher devant et qui fait partie de commis ou encore qui continue à vivre dans la société. Si vous voyez prêtre là dehors, vous voyez il est toujours précédé avant prêtre là venir par un lecteur. OK, par un lecteur ou hubs. Prêtre là toujours accompagné comme sous comme capable de des sécurités qui toujours accompagné ou encore pour annoncer les là venir etc. Prêtre là li se yon moun nan société a aussi mais c'est un citoyen romain entre parenthèse. Est-ce qu'on pa wè ça? Ou beaucoup je vais à l'église ou pa wè des moun ki pa m chita sou ban? Yo toujours vin a chaise yo croisé pied yo pa nan classe et puis yo croisé pied yo et puis ou vin faire leçon pour yo après ça vie ou aller ou beaucoup je vais à l'église pour ça? Ou beaucoup je vais à l'église? Ouais. Côté job salio guidez ça les prêtres mesdames mesdemoiselles et messieurs ça sont l'autre groupe et les moi venir dans l'autre aspect wa comprendre ça c'est une autre partie écoutez société a fini écoutez Jésus vrai leader. Écoutez, différentes formes d'esclavage aujourd'hui. Et nous allons considérer les pérégrins qui ont l'autre couche dans la société romaine antique. Moi, je prends ça qui passe là, ça qui là, et je vais mettre en parallélisme avec cet esclavage qui est lié. Et puis, je vais regarder dans la société romaine comment elle est. Et je vais dire. Mais comment le vigné aujourd'hui a néo-esclavagisme qui vigné son l'autre forme. Mais dans un premier temps, nous considérons l'aspect primordial dans la société romaine, Rome antique, en droit romain, les différentes couches des personnes ou encore qui composent la population romaine
en droit romain après Jésus-Christ, durant Jésus-Christ, puisque quatrième empire, qui c'est la Rome papale et la Rome païenne, c'est ce que nous allons considérer. Après l'analyse des différents types de citoyens romains, ok, les plébéiens, les praticiens, les prêteurs, ce sont des citoyens romains. Nous allons considérer une autre couche de personnes, qu'on considère comme les pérégrins. C'est ce que nous allons considérer. Écoutez. Nous allons réditer l'histoire. Merci.